بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter un exercice proposé par nos étudiants des écoles polytechniques. Donc il s'agit de ce système. Une première corde de masse linéique mu1 qui occupe l'espace allant de moins l'infini à 0. Une deuxième de masse linéique mu2 allant de 0 à L. Les cordes sont horizontalement tendues par une tension T0. La tension T0 est très très grande devant le poids. Entre les deux cordes, à la jonction, nous avons une masse ponctuelle M. L'ensemble est terminé en X égale L par un amortisseur de coefficient de frottement visqueux alpha. Donc, on nous donne aussi les expressions des deux fonctions d'onde qui occupent la première région, x inférieur ou égal à 0, et qui est exprimée par y1. y2 représente la fonction d'onde dans le deuxième milieu qui est compris entre 0 et L. Donc, ce sera une onde progressive et régressive dans la première corde et une onde progressive et régressive aussi dans la deuxième corde. Les amplitudes respectives sont A, B, C et D. Donc la première question, dans la première question, il nous demande tout simplement ici d'écrire la condition X égale L, puis exprimer D en fonction de C, R2, K2 et L. Alors ici, donc écrire la condition en x égale L et exprimer D, yani head l'amplitude D en fonction de C R2 K2 et L. R2 représente le coefficient de réflexion en X égale L. Qui dépend de ZC2 et alpha. Donc, d'ailleurs, il nous demande d'écrire R2 en fonction de ZC2 et alpha. Donc, voilà, tout ça. Alors, la condition X égale L, on peut l'écrire de deux façons. Soit en appliquant le principe fondamental de la dynamique en L, ou bien en utilisant la notion d'impédance, c'est-à-dire l'impédance de l'impédance de l'amortisseur, ou bien Newton. Donc, les deux manières d'écrire sont équivalentes. Alors, si j'utilise la somme des forces, la somme des forces appliquées à position L, quel que soit T, est nulle. Yani, le point Hadak, imaginez une particule de dimension nulle, c'est-à-dire c'est un point. Une particule de dimension nulle, sa masse a une masse automatiquement nulle. Et donc, Hnaya, quelles sont les forces liées à Andena? Andena, la force de la corde. La force de la corde. Plus la force de l'amortisseur. Yani, l'amortisseur, donc quand j'écris, je fais la projection sur l'axe des Y, je peux schématiser ça comme ça. Par exemple, le point Hada s'est déplacé vers le haut.
Son déplacement a été provoqué par la force de la corde. Et que fait l'amortisseur? L'amortisseur, tout simplement, s'oppose au mouvement. Donc, quand je vais faire la projection, suivant au Y, nous avons tout simplement F de Y, yani la projection à la force de la corde suivant l'axe des Y, donc la force de la corde suivant l'axe des Y, F de Y, de L et T, moins F de alpha, L et T, égale 0. Et donc, F de Y, c'est moins T0 dy sur dx, pour x égale à L, qui est égal à alpha y point de L et T. Par conséquent, on trouve que on trouve directement alpha qui est égal moins T0 dy sur dx divisé par y point de L et T, ici pour x égale à L. Et ça, qu'est-ce que ça représente? Tout simplement, ça représente hein, cette définition-là. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est tout simplement l'impédance en x égale à L. Donc, il suffit de dire que l'impédance en x égale à L, c'est et celle de l'amortisseur. Il est à l'amortisseur. Donc, il y a qui est le hisab. C'est alpha, le terme, en dérivant l'expression terme de bien sûr, ne pas oublier de mettre y2, hein, je suis la deuxième partie de la corde, donc y2, n'est-ce pas? Donc, on a alpha, c'est j oméga zc2, ou là, si vous voulez, si on l'écrit. Je ne saute pas les étapes de calcul, on aura jk2t0, la force tana, hein, toujours jk2t0, c'est la dérivée, fois c exponentielle moins jk2l moins d exponentielle jk2l divisé par j oméga c exponentielle moins jk2l plus d exponentielle jk2l. Alors, à partir de là, je simplifie les J. K2 sur oméga, c'est V. Alors, n'oubliez pas que T0 sur V, c'est tout simplement, alors sur V2, hein, puisque c'est la vitesse dans le deuxième milieu, c'est tout simplement l'impédance caractéristique. Et je peux l'écrire comme ça. 1 moins D sur C, exponentielle JK2L, C exponentielle moins JK2L sur 1 plus D sur C exponentielle JK2L on a exponentielle moins JK2L. En fait, j'ai sorti le C exponentielle moins JK2L en facteur, au numérateur et au dénominateur. Et tout ça, je peux l'écrire sous cette forme-là. Donc, on a z, voilà, alpha plutôt, alpha hada, huwa zc2, phi, wahed, naqas r2, ala wahed, zaid r2. Alors, où est-ce que r2? R2, huwa le coefficient de réflexion, x égale l, huwa l'amplitude de l'onde réfléchie divisé par l'amplitude de l'onde incidente en x égale L. Alors l'amplitude de l'onde réfléchie qui dit chauffeau l'ibara ntaha بالنسبه x égale L, l'onde réfléchie هي هذه l'amplitude تاعها d exponentielle jk2l x égale L.
لون دانسيدونت على ال يعني كي نقولوا انسيدونت معناتها اللي تلحق ليها والريفليشي هي اللي معكوسه من طرف لامورتيسور هذا لامبيدونس تيرمينال. دونك ici R2 ça sera D exponentielle JK2 L على C exponentielle moins JK2 L. هذه من جهه ومن جهه عندنا من هذه العباره من هذه العباره نستخلص جبدو R2 اللي يتخبو لنا ZC2 ناقص ألفا على ZC2 ZC2 زائد ألفا. Voilà. Et donc R2 هو هذا وهو ثاني هذا. Donc à partir de cette relation là et cette relation là on déduit le résultat ZC2. Donc à partir de ces deux là on a l'égalité ZC2 نقص alpha على ZC2 زائد alpha qui est égal à R2. Donc c'est D sur C exponentielle 2J K2 L. وبالتالي donc bien finalement nous avons D qui sera égal à C fois ZC2 moins alpha divisé par ZC2 plus alpha fois exponentielle moins 2J K2 L. Voilà le résultat, la réponse à la question 1. Donc deuxième, donc ça c'est la question 1. Déduire alors l'expression Y2 de Y2, donner sa valeur pour chacun des cas suivants. Alpha égale 0, alpha infini, alpha égale à racine de mu 2 fois t. Donc, yani, parce que le coefficient de réflexion. Donc, hnaf sous l thani, galektbli y2 de xt. Donc, déduire y2 de xt, ou la réécrire si vous voulez y2 de xt. Donc, y2 de xt. Exponentielle j oméga t, phi c exponentielle moins j k de x, c'est d exponentielle j k de x. Voilà qui, on va la modifier un peu. Voilà ce que je vais faire comme ça. C exponentielle j oméga t, fois exponentielle moins j k de x, plus D exponentielle JK de X, mais divisé par C. Ici, c'est un 2. K de X. Voilà, voilà. Donc, هذا D على C, رانا حاسبينو déjà هاوليك. يعني D هو C, فهاد لو terme كامل. ولا نكتبو, si vous voulez, D, هاوليك. D هو C fois R2 يعني هالك شفاو مليح بلي R2 هو D على C في exponentielle de JK de L. Et donc هذا D على C est égal à R2 في exponentielle moins de JK de L. Donc هنا في la question ما قاليش اكتب لي يعني لوند هادي en fonction des impédances ou là. Bon, je peux l'écrire, je peux le faire. Donc ce n'est pas imposé. Donc je fais juste ça. Y2 de xt. C'est exponentielle j oméga t. Le c hadar habra. J'aurai exponentielle moins jk de x plus r2. R2, le coefficient de réflexion. Fois exponentielle jk de x moins 2l. Voilà. Voilà ce que ça donne. Après, on peut développer. Yani, ZC2, hada, je peux le remplacer par ZC2 moins alpha sur ZC2 plus alpha. Qui donne ça. Ou là, on laisse comme ça. Alors, on nous dit de. Donc, voilà l'expression générale.
Que devient cette expression Où sera tout li had l'expression Qui fait tout li Loukan, flhalat, talata hadi. Alpha yusawi sefr, alpha infini, alpha yusawi racine de mu fois t, yani z c2. Alors, alpha égale 0. Yestel zem r2, li hua, n'oubliez pas, r2 c'est z c2 moins alpha, sur z c2 plus alpha. Avec R2, donc avec R2 égale ZC2 moins alpha divisé par ZC2 plus alpha. Alors, qu'est-ce que c'est donc ici? Premier cas, halaloula. Alpha égale à 0 implique R2 est égal à 1. Et donc, هذا يولي 1. Le terme هذا يولي 1. Et on aura un cosinus. Seulement, il faut manipuler un peu les choses. On aura y2, bien sûr. Alors, ça veut dire quoi? 1. Coefficient de réflexion égale à 1. Tout simplement, on a une réflexion totale. Donc, ça veut dire, هنا يولي عندك réflexion totale. Et qui dit réflexion totale? Ça, tout simplement, dit onde stationnaire. On aura une onde stationnaire, هنا. La partie comprise entre 0 et L. Donc ici, on a y2 dxt, ça oui c'est exponentiel j oméga t moins k2 L, fois, on aura exponentiel moins j k2 x, je pense, est-ce qu'on a fait ça? Oui, non, pas encore, j'ai pas sorti, on avait écrit ça, c'est exponentiel j oméga t fois exponentiel moins j k2 x plus, donc le r2 exponentiel j k2 x moins 2l. Alors ce qu'on fait pour avoir le cosinus, c'est-à-dire on essaie toujours de l'écrire en fonction de l'onde stationnaire, on a y2 de x et t qui sera égal à c exponentielle j oméga t moins k2 l fois, alors je sors la moitié de ce qu'il y a ici pour faire apparaître un cosinus. Pourquoi le cosinus? Parce qu'il y a une somme ici. S'il y avait une différence, on aurait un sinus. Donc, je vais l'écrire comme ça. Ça sera exponentiel j k2 l moins x plus exponentiel j k2 x moins l. Voilà ce qu'on a. Donc, ça, c'est un cosinus. Et donc, le résultat final, y2 de xt, c'est cosinus, donc deux fois cosinus, donc il vous l'imna, deux fois c cosinus k2 l moins x fois exponentiel j oméga t moins k2 l. Voilà, voilà notre expression finale qui kunadna. Un coefficient de réflexion R2 égale à 1. قال هذه الحالة الأولى. حالة ثانية. حالة ثانية. Alpha infini. Alpha infini. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans ce cas, donc, dans ce cas, où j'ai R2 qui est égal à ZC2 moins alpha, ben, il faut juste remplacer. Avec, hein, on remplace alpha par l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 1. On aura moins 1. Coefficient de réflexion égale à moins 1. Et donc, Y2 de XT devient C exponentielle J oméga T exponentielle moins j k2x
moins exponentielle j k de x moins 2l. Et ici, on va faire apparaître un sinus. Comme ça, ce sera c exponentielle j oméga t moins k de l. On sort toujours la moitié de ce qu'il y a ici, 2l. Moins exponentielle j k de l moins x. Moins exponentielle j k de x moins l. Et donc, ici, on aura 2j sinus. Donc, 2j, c'est sinus k de l moins x. Fois exponentielle j oméga t moins k de l. Voilà, donc on aura toujours aussi une onde stationnaire. Mais cette onde stationnaire est déphasée par rapport à celle que nous avons trouvée précédemment. Déphasage n'a plus cosinus ou l'ochrab sinus. Un déphasage de pi sur 2. Donc voilà. Allez, d'une part. Thalithan. Parce que عندنا alpha infini, réflexion totale avec inversion de phase. Donc c'est une onde stationnaire. Pour alpha égale à racine de mu 2 fois t, yani, alors mu 2 fois t, je connais, zc2. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Dans ce cas, les impédances متساويين, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de réflexion. Et voilà, bien sûr. Regardez, si on remplace ici, zc2 égale alpha, ça donne 0. Et donc, pas de réflexion. Donc, r2 est égal à 0. Et donc, il n'y a pas de réflexion. Là, si on vient ici, r2, donc r2, 0, on obtient juste l'onde progressive. Donc, on aura, voilà, dans ce cas, y2 de x et t, ça sera tout simplement une onde progressive, c'est exponentielle j oméga t moins k2 x. Voilà. C'est-à-dire que l'onde incidente en x égale l est absorbée par l'amortisseur. Il n'y a pas de phénomène de réflexion. Avez par rapport à cette question. Donc, question d'après, question numéro 3, en supposant que la masse est immobile, la masse M est immobile, exprimer L en fonction de lambda 2 dans le cas où alpha égale 0, puis dans le cas où une alpha infini. Ça, on peut le déduire comme on peut le montrer. Donc, هنا, في الحالة وين. Donc, question numéro 3. Masse M immobile. La تتحرك. يعني la masse هذه M تولي fixe. Masse immobile. تسمى هذا ستان. هكذا. Ça veut dire que c'est un nœud. قال لك quelle est la relation entre العلاقه بين lambda ou L, relation entre lambda 2 et L, في الحالتين الاولى. Si اولا alpha égale 0, si alpha est infini. Le coefficient de réflexion est infini. Aïe, simplement. Regardez. Lucan alpha infini, ça veut dire l'impédance en agal haulik l'amortisseur. Adawa l'amortisseur jayhna. Lucan alpha jay infini, ça veut dire l'impédance infinie. Madame, l'impédance infinie, ça veut dire que la vitesse des particules, zéro. Donc le point Hada, il vous dit un nœud. Hada tsma nœud, déjà fradana, beli c'est un nœud, Hada nœud. Nœud. Ou nœud. Madame, Hada nœud ou nœud, mais il y a l'alaqa binatom, il y a ni tol, ma safa binatom, il y a L. La longueur d'onde qui fait j'ti. T'as peut-être qu'on hagda.
ne et ne كيما تقدر تكون هكذا كاين اون انفينيتي دو بوسيبيليتي مهم هنا ان نو وهنا ان نو مي لا ريلاسيون انتر لي دو سي كو بان لا ريلاسيون انتر لي دو في الحاله الاولى ال تساوي لام في الشيما هذاك اللي رسمته اونوار اونوار اي بان جي ال ايغال لامدا 2 سور 2 في الحاله الثانيه اون روج جي ال يساوي لامدا 2 ولو كان زيد 3 لامدا 2 سيتادير لا ريلاسيون اللي كاين بين هذه وهذه في الحالات هذوما لانفينيتي سيتادير جوغ اون انفينيتي دو كا Ce sera L égale N lambda 2 sur 2. Voilà, je vais le démontrer. Là, on dit N. Ça veut dire l'impédance infinie. Donc, on aura l'impédance infinie, on aura le kahada. Le kahada, c'est un sinus. Sinus. L'amplitude, c'est un sinus. Yani, dans le cas, donc, on a dit, schématiquement, j'ai expliqué c'est quoi, d'où ça vient, qu'est-ce que je vais trouver. Maintenant, je vais le vérifier analytiquement, c'est-à-dire, hisabien. On a pour alpha infini. Pour alpha infini, regardez qu'est-ce qu'on a. On a l'amplitude. L'amplitude. Où est l'amplitude? Et il y a sinus. Il y a 2j ou la moins 2j. Attendez voir. Si c'est 2jc. L'amplitude. C'est mis à ma thalène f de x. F de x. C'est 2j. C. Sinus. K2. L moins x. C'est-à-dire l'amplitude. L'amplitude, c'est-à-dire c'est que x est, puisque nous avons fait la masse immobile. Ou la masse, c'est le modèle de x, hein, jfx égale 0. Hna x égale l, hna x égale 0. La masse jf est 0. Donc ça veut dire f li 0, c'est oui 0. C'est oui 0 parce que c'est un nœud. La masse, là, c'est un عند amplitude 0. Donc ça veut dire sinus. Puisqu'il y a 2j ou c, c'est des amplitudes, qui sont plutôt des constantes. Donc on a sinus k de l égale 0. Pourquoi est-ce sinus égale 0? Sinus égale 0 qui compte k de l égale np. Et donc l, le canaudo k2, mettez sur je belli k2 ou atnin pi. Elle a lambda 2, et bien c'est beau, elle a n lambda 2 sur 2. Pourquoi? Ben c'est simple, schématiquement, on a masse, on a l'amortisseur, on a l'amortisseur, on a l'infini, on a l'infini, infini, la masse est immobile, ça veut dire on a l'imkania. Pardon, je vais faire un bon schéma. Je vais rapprocher la masse. Voilà. Il y a des possibilités immobiles. Donc, on a l'imkania. C'est-à-dire un nœud et un ventre. Une des deuxièmes possibilités. Un des derniers. Donc, alors, sont les deux premières. Une des troisième possibilité, où il y a trois ventres. Donc voilà, je peux effacer, hein, montrer la troisième possibilité, qui fait J. Il y a un nœud, et j'ai ça. Donc, Mohim, il y a un nœud tarafin. Après, le reste, c'est une onde sinusoïdale avec une période. Donc, on a la longueur. La longueur, c'est
c'est 3 lambda 2 sur 2. Voilà. Donc, je trouve la fameuse relation n égale lambda 2 sur 2, il a créé avec n, naya, appartenant à n étoiles. C'est un nombre naturel strictement supérieur à 0. Donc voilà, c'est le halal loula. Le halal thania, قالك pour alpha égale à 0. Yani pour alpha égale à 0. Donc voilà, alpha égale à 0 pour alpha égale à 0. On le chauffe schématiquement, c'est-à-dire avant de le faire par calcul, on a hauli que l'amortisseur. Alpha égale 0, je m'entends. Maintenant, l'impédance, fait le point L, égale 0. Maintenant, tout simplement, c'est un. Donc, impédance égale 0, ça veut dire la force égale 0. Madame, la force égale 0. Je vous mets toujours, la force, il y a moins T0 dy à la dx, qui te coûte x égale à L. Ah. Ah, ya, وقتاش هذا لو تيرم يكون زيرو؟ لا فورس هي هذه. هذا لو تيرم كامل يكون زيرو. كي تي زيرو مختلفة عن الصفر، دونك المشتق تاع Y اللي يساوي صفر. وقتاش المشتق تاع الدالة يكون صفر؟ كي تكون لا فونكسيون إكستريمال. صادير سوا ماكسيموم سوا يعني أن باس باغ أن إكستريموم. سا فو دير كوا أن إكستريموم؟ سي أن ماكس. دونك سا فو دير كيسي أون أورا أن فونتر. Donc j'aurai un max ou la min. Ou là, la masse, قالك هو فرض علينا قالنا la masse immobile m immobile. Et donc on aura هنا un nœud نطلق من نقطة وهنا un max. Donc عندي هذه الإمكانية. Pardon, je vais faire quelque chose de là, je vais rapprocher tout simplement la masse. Voilà. Voilà. Ici on aura ça. Donc l'amortisseur a l'asqahna ou l'ahna. Mais ici on aura un ventre. Et quelle est cette distance là? En fait c'est lambda sur 4. Lambda 2 sur 4. La longueur c'est oui lambda 2 sur 4. Est-ce qu'on a غير هذه الامكانيه? Non, عندي امكانيات اخرى. La masse fixe toujours immobile. عندنا l'amortisseur راه هنا. يعني هنا عندك un max. هنا فيكس نطلق من فيكس الماكس عندك ان اوتر شومان سي لوكيل سي تو سامبلومون سولوي لا قالها وليك هكذا ولا فو فات سا فوالا انطلقت من نو من نو ورحت لان فونتر هذه شحال لا ديستونس هذه لا ديستونس بون لو شيما اي لي ان بو Il ne se rapproche pas de la réalité parce que normalement, si j'ai un maximum ici, je pars du maximum. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà, très bien. Là, alors ici. La distance c'est lambda sur 2. On a lambda sur 4. Donc on aura L qui sera égal à 3 lambda 2 sur 4. Yani on aura sur 4, 3 sur 4, 5 sur 4, il est arrêté. Donc en fait, on aura L qui sera égal à 2n plus 1, lambda 2 sur 4. Parce que c'est la distance entre un nœud et un ventre. Lambda sur 4, 3 lambda sur 4, il est réglé, 5 lambda sur 4. Donc il y aura une infinité de possibilités, comme pour les deux premiers cas. Mais ici, je peux le vérifier analytiquement. Analytiquement, qui est un alpha égale à 0, c'est bien l'expression de Y2. Y2, Heilig. Elle dit infini. Heilig égale à 0, qui compte alpha égale à 0, voilà mon amplitude, c'est 2C cosinus. Donc on aura. Comment le démontrer analytiquement dans ce cas? Dans ce cas, f de x, c'est 2c cosinus k2 l moins x.
D'accord. هذه الامبليتود. وش على بالي؟ على بالي بلي هذه الامبليتود منعدمه في الزيرو باسكو هذه الوضعيه سي تاع x égal l. هادو لي بوزيسيون x. هذه x égal l عندك كان ماكس. شوف كي تعوض هنا ب l تخرج لك كوسين زيرو الامبليتود سي 2c. Par contre, si on remplace par L, donc on aura par 0, yani F fait 0, la masse elle est fixe, donc l'amplitude est nulle. Et donc, cosinus K2 L est nul. Ce qui fait K2. Donc, ma hiya le qiyam ta K2L li ta'dem cosinus, K2L est égal à 2n, yani pi sur 2, 3pi sur 2, il a khiri pi sur 2. Naoudo K2, ptinin pi à la lambda. Donc, K2 avec K2 qui sera égal à 2pi sur lambda 2. Donc, L est égal à 2n plus 1 lambda 2 sur 4. Je retrouve mon résultat, celui que j'ai trouvé à partir du schéma. Voilà, c'est aussi simple que ça. Avec n, yentami, il a l'ensemble des nombres naturels. Yakdir ykoun sifr. Parce que, regardez, awwel masafa bin, un ventre et un nœud, c'est lambda sur 4. Qui compte n, petit n égale 0. Un athani, ou le masafa, bin, un ventre et un nœud, c'est lambda sur 4. Là, c'est lambda sur 4. Kalwishit bdil minna lehna, la longueur sera la même. Mais c'est les lambda qui changent. C'est par rapport aux pulsations propres. Très bien, on a répondu à cette question. Alors, question 3, question 4. Question 4, kalek, calculer l'impédance Z de x en un point x de la corde, déduire l'impédance z2 de 0 de la partie des x positifs. Donc, z2, donc question numéro 4. Donc, z2, question numéro 4, z2 de x, mais la deuxième corde, c'est tout simplement moins t0 dy2 sur dx. Pour x quelconque, yani de x, divisé par y2 point de x et t. Alors, on aura, j'ai fait déjà ce calcul avant. Il me semble. Voilà. Have le calcul. Voilà. Adafi x égale L. Voilà. X égale L. Yani awot bark x égale L. Donc on aura z2 qui n'hasab hadouma. Z2 de x. Yukhurjili il fouqa j. Ida shfitoum lih j omega zc2. Ou fil maqam. Donc hnaya fois c exponentielle moins jk2 x. Moins d exponentielle jk2 x divisé par j oméga, la vitesse, yani j oméga fois c exponentielle moins jk2 x plus d exponentielle jk2 x. Les exponentielles j oméga t, donc je les ai simplifiées. Had le terme, j'obtiens ZC2 qui sera égal à exponentielle moins JK2X moins D sur C exponentielle JK2X ou Nathani exponentielle moins JK2X plus D sur C exponentielle JK2X. Voilà mon impédance Z2 de X.
À partir de là, donc qu'est-ce qu'il faudra faire? On écrit l'impédance en fonction des impédances. D sur C, on utilise ce résultat-là. R2 fait exponentielle moins 2J K2L. R2, c'est ZC2 moins alpha sur ZC2 plus alpha fois exponentielle moins 2J K2L. Voilà. Donc, هذا le terme هذا واش راح ندير له هذا العباره هذه نعوضها في بلاصه هذه هنا وهنا. Et donc qu'est-ce qu'on aura? On aura à faire un développement de calcul. On aura z de x يعني سماه هو z2 z2 لي x z2 لي x. Voilà, Z, yani t'as la deuxième corde, voilà, Z de l'X, ou Z, c'est 2. Fimen, fait exponentielle moins JK de X, moins. Donc on aura Z, c'est 2 moins alpha, allez, Z, c'est 2 plus alpha, Z, c'est 2 moins alpha, allez, Z, c'est 2 plus alpha, fait exponentielle JK de X, moins 2L. وهنايا on aura exponentielle moins jk2 x plus zc2 moins alpha à la zc2 plus alpha fait exponentielle jk2 x moins 2l. Voilà. Donc من هذه ce que je fais ننشر ونبين le sinus et s'il y a cosinus. Donc on aura ZC2. نوحد المقامات وشوفوا واش كاين هنا في المقام هذا والمقام هذا يختزل puisque نلقاوها الفوق والتحت. Donc j'aurai tout simplement ZC2 moins alpha plus alpha في هذا في exponentielle moins JK2 X moins ZC2 moins alpha phi exponentielle jk2 x moins 2l. El maqam ikun andna zc2 plus alpha phi exponentielle moins jk2 x plus zc2 moins alpha phi exponentielle jk2 x moins 2l. Hadi d'une part. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On aura ZC2 qui sera égal. Maintenant, je vais faire apparaître l'exposant ici de l'exponentielle. Hein, pour faire apparaître le sinus, il faudrait que ce que j'ai ici soit le conjugué de ce que j'ai ici. Donc, هنا عندي زيادة ناقص 2L. Ce que je vais faire, نخرج ناقص L عامل مشترك. Donc, يولي لي هنا في البسط. شوف مليح. في البسط والمقام. نخرج exponentielle moins JK2L. في البسط. نخرج تاني في المقام. Exponentielle moins jk2l, exponentielle moins jk2l. Où est-ce que je veux dire? Il y a un zc2 plus alpha, zc2 plus alpha, exponentielle jk2l moins x. Alors, regardez, si on fait le produit hada fi hada, on va voir. C'est-à-dire plus l moins l se simplifie. Donc j'aurai ici aussi jk2 L moins X. Là, j'aurai un moins ou là, j'aurai un plus. C'est ça la différence. Donc, j'aurai ici ZC2 moins alpha fois exponentielle JK2 X moins L ou là, ZC2 moins alpha fois exponentielle JK2 X moins L. Voilà ce que j'ai. Alors, je simplifie Hadoma. J'aurai ici
زد سي 2 في اكرير فوالا دونك باش نبسط الامور هذا نسميه في نسميه في وهذا يولي ناقص في ناقص في يعني تولي لي العباره زد سي 2 زائد الفا في اكسبونونسيال جي في ناقص زد سي 2 ناقص الفا في اكسبونونسيال ناقص جي في وهنا زد سي 2 زائد الفا في اكسبونونسيال جي في بلس زد سي 2 ناقص الفا في اكسبونونسيال ناقص جي في فوالا Alors, pour faire apparaître les sinus et cosinus, il me reste une dernière étape. L'IA. J'essaie de faire apparaître une, parce que le cosinus est le jama de hada ma hada. Le sinus est hada naqs hada. Donc, باش نبينهم لازم نخرج زد سي 2 عامل مشترك ونشوف واش كاين فيه. زد سي 2 مضروب في اكسبونونسيال جي في هاو ليك زد سي 2 وهاو زد سي 2 مضروب في اكسبونونسيال جي في وهنا بالموان موان اكسبونونسيال موان جي في بلس الفا نشوف الالفا الالفا هاو ليك هاو ليك دونك عندي لو الفا فوا اكسبونونسيال جي في وهنا عندنا موان موان يولي بلس اكسبونونسيال موان جي في ici aussi on aura zc2 exponentielle j phi zc2 exponentielle moins j phi donc on aura la somme plus alpha exponentielle j phi moins exponentielle moins j phi voilà alors ici on identifie bien le cosinus deux fois cosinus plutôt deux fois j sinus deux fois cosinus Là où il y a la somme, c'est 2 fois cosinus. Là où il y a la différence, c'est 2 fois j fois sinus. Donc on obtient zc2 fois 2j zc2 sinus phi plus alpha 2 alpha cosinus phi. Fait le maqam, on a 2 zc2 cosinus phi plus 2j alpha sinus phi. Hena, on aura donc hadal phi prali. Donc, enfin, je peux laisser comme ça, mais en général, l'expression hadi, binoua soit en fonction de tangente ou la cotangente. Il n'y a pas de problème. Fizout sa, kitaba sahiha. Donc, après, chacun comme comment il exprime, vous pouvez les trouver dans les livres. En cosinus ou bien en tangente pardon ou bien en cotangente je simplifie les deux naya et on obtient alpha plus j zc2 tangente phi ou naya voilà parce que je divise donc j'ai divisé par le cosinus alpha 1 voilà ici on aura zc2 plus j alpha sinus phi. Et n'oubliez pas que phi, c'est k2 fois l moins x. Et donc, par conséquent, on obtient zc2 fois alpha plus j zc2 tangente k2 l moins x. Ala zc2 plus j alpha pardon ici c'est sinus j'ai divisé par cosinus donc ça sera tangente tangente phi parce que nous sommes à la cosinus j alpha tangente k2 l moins x voilà ce que je trouve voilà ce qu'on trouve voilà donc l'expression z2 de x Z2 de X. Maintenant, Z2 de 0. Quand je dis Z2 de 0, ça veut dire que je remplace X par 0. Z2 de 0, c'est tout simplement ZC2
fois alpha plus j tangente k de l divisé par zc2 plus j, pardon, ici j'ai oublié le zc2, là il y a jzc2, ou on a j alpha tangente k2 l. Voilà, voilà, ça c'est mon impédance, l'impédance de la corde en x égale 0. Mais l'impédance, donc ici je pose la question à vous, montrer que le système est voilà, de la corde 2, z2 de 0 à partir de x, voilà. Montrer que le système est équivalent à la corde 1, donc ça c'est la question 5, terminée par une impédance z de t en x égale 0, c'est-à-dire le système, la question numéro 5, une corde, je peux simplifier, si vous voulez, on peut simplifier le système par une corde, d'accord. Cette corde, l'impédance taha zc1, qui se termine en 0, par une impédance z de t. Alpha 0, c'est z de t. Qal hadi z de t, haytu, qal z de t hadi, sur x égale 0. Ça, hna ma tinsach wach andna. Andna la corde, qal hna, je démarre de ça. La corde, première corde, zc1. Une masse, une deuxième corde, un amortisseur. Anna wach dirt hna f la question li maqbel, hsebt z2 li x. Hna. Min x, haythu x, yintmted menna lehna. Maintenant, qu'elle a atteint l'impédance là. L'impédance x égale 0, yani, ce système hada, n'aoudou bhada, il zem nahi la masse, la deuxième corde, l'amortisseur, je les remplace par une seule impédance en 0. C'est l'impédance ramenée, l'impédance ramenée en 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le PFD, ici en x égale 0, et calculer l'impédance en ce point-là. Et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Regardez bien. Donc j'ai la somme des forces 0t égale à m fois l'accélération. Pourquoi? Parce que si, alors je vais voir mon système. Première corde, une masse. Deuxième corde, amortisseur, ZC2, l'impédance caractéristique, l'impédance caractéristique, c'est ZC1. Quelles sont les forces agissant sur la masse? Les forces agissant sur la masse, c'est la force de la première corde sur la masse, la force de la deuxième corde sur la masse, et j'ai aussi ce bilan des forces, cette somme des forces, qui sera égale à la masse fois l'accélération. Qal maintenant, qui fait chidjou les forces à dom? Andek la force gauche sur droite, 0t, soit je l'écris comme ça, ou la force 1, c'est des notations, hein, plus la force droite sur gauche, 0t, qui sera égal à la masse fois l'accélération phi 0 et t. Maintenant, l'accélération, soit on prend celle de la première corde, soit celle de la deuxième corde, parce que y1 de 0t est égal à y2 de 0t. Aussi, y1 point de 0t est égal à y2 point de 0t, et y1, les accélérations fini, parce qu'il y a la continuité ici, la masse hadi a une vitesse wahda, côté gauche on s'appelle y1 point, côté droit on s'appelle y2 point, les limites t'as les deux fonctions, yani
C'est comme les limites d'une fonction mathématique, les limites à les deux fonctions qui sont x, y ou li la sefer, et d'où les zéro. Donc, hnaya, qui n'est pas la relation, j'aurai moins t0 dy1 sur dx qui sont x, y ou li la sefer, z et t0 dy2 sur dx qui sont x, y ou li la sefer, y ou sefer, égale à jm oméga y1 point de 0 t. كي نجيب هذو مال هنا واش يولي لي موان تي زيرو دي غراك 1 سور دي اكس كيكون اكس يساوي صفر ايغال موان تي زيرو دي غراك 2 سور دي اكس كيكون اكس يولي لا صفر ناقص زائد جي ام اوميغا في لا فيتاس هذيك يغراك 1 بوان دو زيرو تي نقسم طرفي المعادله على يغراك 1 بوان دو زيرو تي هذا نقسم واش يولي لي يولي لي في الجهة اليسرى تولي لي موان تي زيرو دي غراك 1 سور دي اكس كيكون اكس ايغال زيرو على اي غراك 1 بوان دو زيرو تي واش تمثل هذه تمثل لامبيدونس في البوان زيرو لا فورس على لا فيتيس كي سرا ايغال ا موان تي زيرو دي غراك 2 سور دي اكس كيكون اكس ايغال ا زيرو على لا فيتيس لا فيتيس سوا تكتب تقسم على y1 بوان ولا y2 بوان قلنا كيف كيف ياك متساويين دونك ندير y2 بوان عجل لا كونتينيتي بلس جي ام اوميغا alors je vais regarder ces deux ces termes là qu'est-ce que ça représente ici si vous en souvenez pour la question précédente on a calculé l'impédance z de 2x liée à هذه على هذه pour x quelconque si je remplace x par 0 qu'est-ce que je trouve je vais trouver z de 0 هذه هي زد دو دو زيرو زائد جي ام اوميغا وهذه هي سي لامبيدونس زد ان دو زيرو اللي سميناها قال لك في ليكزارسيس هنايا سماها لامبيدونس تيرمينال باسكو واش قال لك قال لك لاكورد تاعك السيستم تاعك راح نعوضوه بهذا زد دو تي زد دو تي وشنو هو هو هاد لامبيدونس هادي زيرو دونك هاد لو تيرم هذا ou z de t. Donc finalement, si je remplace ici, ce sera donc z de 2,0 plus jm oméga représente l'impédance, donc c'est le terme, z de t égale z de 2,0 plus jm oméga représente l'impédance en x égale 0. Voilà. Donc j'ai trouvé mon impédance. Et donc mon système, donc le système A, le système A avec, yani il y a corde, masse ou deuxième corde puis amortisseur, le système A, peut être remplacé par une corde semi-infinie et une impédance terminale z de t ou naya qui a des notations unique tub x égale 0 qui a unique tub z de 0 yani à la position x égale 0 c de moins l'infini. Et ça, c'est ma corde ZC1. Très bien. La question Limenbat, sixièmement, on se place dans le cas particulier où une alpha est infini. Donc, alpha, là. Donc, Andekanaya, K, où alpha est infini. Et bien, dans ce cas, Z2 de 0, Alex Haltusev, c'est ça. Alors qu'on a z de 2,0 plutôt que devient z de t. Que devient z de t? Donner l'expression du coefficient de réflexion il a créé et préciser son module et son argument. Donc on a z de t où je trouve yani qui est alpha infini ou chi ça z de t il y a z tenin les 0 z it jm oméga. Donc t'as alpha هذا على z de 2,0 mais t'as z de 2,0 نروح نشوفو
العبارة نتاعنا زد 2 2 0 هاي سي الفا زد سي 2 بلس الفا بلس فوا الفا بلس جي سي زد سي 2 تانجنت ك 2 ال دونك فوالا زد سي 2 بلس فوا بلوتو فوا الفا بلس جي زد سي 2 تانجنت ك 2 ال divisé par ZC2 plus alpha J alpha tangente K2L. Donc, alpha tend vers l'infini. Infini. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire net du akbar had ala akbar had. Pour, donc, pour alpha infini, nous avons nous avons quoi? Nous avons Z de 0 qui sera égal. Donc, هذا يولي مهمل. مهمل. Il parle que هذا على هذا. Et donc, on obtient moins J ZC2 tangente K2L. Voilà. J est là le four. Alpha et Rahma alpha. Tangente K2L, il voulait cotangente, pardon. Il est là le four, il voulait cotangente. Vous êtes ces deux, il prend le fond. Voilà. Donc la question l'imbat. Le coefficient de réflexion R1. Alors le coefficient de réflexion, qu'allez donner. Donc regardez, qu'allez donner l'expression du coefficient de réflexion R1. Donc on a donné, donc R1. On a tout simplement regardez le système suivant. On a une onde donc incidente progressive. On a une onde réfléchie régressive. Donc, ZC1, ZT, donc le coefficient de réflexion, c'est la différence sur la somme. C'est un cas classique. ZC1 moins ZT, elle est ZC1 plus ZT, les voies, ZC1 moins, donc, J, M oméga, moins ZC2, tangente K2L. Là, ZC1 plus J M oméga moins ZC2 tangente K2L. Voilà. Donc, parce que l'impédance qui trouve Z2 de 0 HK, Z2T, maintenant Z2T, c'est la somme, c'est JM oméga plus R. Donc ce sera J fois M oméga moins ce terme-là. Donc on aura ça. Le module, donc regardez ce nombre, ces deux nombres complexes. Wahd le conjugué à la khor, c'est Wahd le murafaq à la khor. Donc le module de R1, ou 1, tawil et ta'o, ou 1, puisque le murafaq à la. عدد مركب على المرافق تاعو هو طويلة تاعو واحد. لارغومون سماه تيتا ليكزارسيس هو لارغومون تاع البسط ناقص لارغومون تاع المقام. دونك البسط ارك تانجون تاع لا بارتي ايماجينير على لا بارتي ريال وهذا ارك تانجون تاع لا بارتي ايماجينير على لا بارتي ريال يخرج لنا موان دو ارك تانجون ام اوميغا moins ZC2 tangente K2L, elle a ZC1. ZC1. Très bien. Donc à partir de là, voilà, très bien. Donc voilà, donc la question d'après, que devient, voilà, donner ce coefficient de réflexion et tout, donner l'expression de Y1 de XT, donc Y1 de XT, roi A, exponentielle J, enfin je vais l'écrire comme ça, Y1 de XT
c'est a exponentielle j oméga t fois exponentielle moins jk1x plus b sur a exponentielle jk1x. Or, ce b sur a, c'est r1. C'est r1. Donc, je vais l'écrire comme ça. Enfin, je vais l'écrire comme ça. En fait, r1 diali, coefficient de réflexion diali. هو الكويفيسيون دو ريفليكسيون تاعنا اللي هو عنده نقدر نكتبو هكا هو طويلة في عمدة je peux l'écrire comme ça et aura ici donc et طويلة c'est 1 donc on a trouvé بلي طويلة تاعو c'est 1 donc on aura a exponentielle j oméga t fois exponentielle moins jk1x plus exponentielle jk1x plus θ. Voilà. Donc, avec l'expression θ. Maintenant, est-ce qu'il nous a demandé déduire, peut-on observer sur la colle le phénomène d'onde stationnaire avec un vent trop. Voilà, très bien. Donc, on aura ici, on peut faire le développement, hein, on peut faire apparaître un cosinus, on aura a exponentielle j oméga t plus θ sur 2, puis exponentielle j, pardon, alors ici on aura exponentielle moins j, θ sur 2, plus kx, k1x, voilà plus exponentielle j, k1x, plus θ sur 2. Voilà ce qu'on peut faire, c'est-à-dire, pour faire apparaître un cosinus ici, plus θ sur 2, moins θ sur 2, on obtient ça. Voilà, je vérifie. Donc, on aura 2a cosinus k1x plus θ sur 2 fois exponentielle j oméga t plus θ sur 2. Voilà. Directement. Et ça, c'est une onde stationnaire. Maintenant, la dernière question pour terminer l'exercice, Inch'Allah. Donc, peut-on observer dans la corde 1 un phénomène d'onde stationnaire avec un vent en x égale 0 ou là, deuxième, un nœud en x égale 0 et justifiez votre réponse. Yani, il y a une onde stationnaire. Mais est-ce que l'onde stationnaire a dit un ventre? Donc, un ventre, donc une job à soul hada. Un ventre en x égale 0. Alors, ça veut dire quoi? Un ventre en x égale 0, on dit. Ça veut dire coefficient de réflexion R1. Ça veut dire ici, le coefficient de réflexion Tana. Oblique. Coefficient de réflexion Tana. Voilà. Hada. Ça veut dire quoi, en fait? Si je dis que nous avons un ventre en x égale 0. Un ventre en x égale 0, ça veut dire que ce coefficient-là est égal à 1. Yani, l'argument théo égale 0. C'est ça. Parce que quand on dit un ventre, ça veut dire que le point index, ça veut dire que l'impédance de ma est nulle. Un ventre en x égale 0. Donc, l'impédance en ce point est nul. Tenadem. Un ventre, c'est ça. Il y a un maximum d'amplitude. Donc, force égale 0. Alors, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, en ce point est nul. L'impédance sur le point hadak, qu'est-ce que c'est? L'impédance sur le point hadak, z de 0 plus jm oméga. Ou si on a hadak z de 0, parce qu'on a toujours fait le cas. Le cas où on se place dans le cas où alpha est infini. Donc maintenant, je vais z de 0 qui connaît alpha infini, donc l'impédance à disponible, jm oméga moins tangente moins zc2 moins zc2 moins zc2 tangente k2l. Hagda. Donc, هذه l'impédance, on a هذه l'impédance
Madame Adna a un ventre, donc je répète doucement, on a un ventre en x égale 0. Ça veut dire que l'impédance fait 0, l'IEHAVI, تكون معدومة. باش تكون معدومة لازم هذا لو تيرم يكون ايغال 0 دونك هذا ايغال 0 دونك نشوف اسكو سي بوسيبل ولا لا. maintenant je vais regarder ça veut dire tangente plutôt cotangente pardon cotangente cotangente سبناها cotangente cotangente voilà je vérifie hein, z2 de 0 ici voilà j'ai les expressions qui sont prêtes. Z de 2, 0. Z de 2, 0 pour alpha infini. Voilà, ZT. Z de 2, 0 pour alpha infini. Voilà ce que ça donne. JZC2, cotangente K de L. Voilà. Donc, bel moins. Heilig. Donc, on aura moins JZ0. Exactement. Donc, cotangente K de L qui est égal fois M oméga sur ZC2. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Eh ben non. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est l'amortisseur est infini. Regardez qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure pour l'amortisseur infini. Pour l'amortisseur infini, on a traité le cas où un amortisseur a une impédance infinie ou un nœud, ou un ventre. L'hydrole, belli, L, pardon, l'quina, alpha infini, et M, un ventre, voilà, un ventre, et un ventre, pardon, un ventre, en x égale 0, nous a permis de calculer, de trouver la relation. Donc on a trouvé l'qina, belli L égale 2n plus 1, lambda 2 sur 4. Vous savez qu'est-ce que c'est que ça? Mini jbnaha, jbnaha min hadi. K de L égale 2n plus 1, pi sur 2. Ah, très bien. Madame, K de L, ou 2n plus 1, pi sur 2. Ça veut dire le cotangente, c'est le cotangente. Le cotangente. Le cotangente, t'as K de L qui coune, ou le cosinus à la sinus. Donc le cosinus à la sinus, ou chimedli, imedli, 0. Alors, même jiha andi cotangente u saoui 0, même jiha cotangente u saoui hada. Donc, impossible. C'est impossible d'avoir un ventre en x égale n. Si on a un nœud, c'est-à-dire un nœud alpha infini et andina, yani une onde stationnaire, c'est impossible d'avoir un ventre hein, en x égale 0. Maintenant, est-ce que c'est possible d'avoir un nœud en x égale 0? Donc je vais voir. Nœud en x égale 0. Où je maintiens un nœud? Maintenant l'impédance infinie. Maintenant, z de t, c'est ça en fait, est infini. Pour que l'impédance z de t est infinie, et bien z de t est infinie, on dit chauffe, z de t, voilà, on dit que z de t, il peut être infini, à condition que les termes hadouma, c'est des termes finis. Le terme hada, il peut être infini, parce que n'oubliez pas que c'est un cosinus sur un sinus. Si le sinus est nul, cosinus à la sinus, il s'agit de la nihaya, mais sinus. Voilà. Donc z de t infini, z de t égale j m oméga moins zc2 cotangente k de l. Yani hada ya ouli la malaniha ya ouch manta. Manta, zt tend vers l'infini implique k
cotangente K de L tend vers l'infini. Donc, cosinus à la sinus, donc sinus K de L tend vers 0, égal à 0 plutôt. Égal à 0. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? K de L égale NP, n'est-ce pas? Avec, donc, qui n'a L égale N lambda 2 sur 2. Voilà. Est-ce que c'est possible? Je vais voir. C'est-à-dire, il y a un nœud. Un nœud ici. Donc, on a des ondes stationnaires avec un nœud. Or, tout à l'heure, n'oubliez pas que nous avions une première corde, une masse, une deuxième corde et un amortisseur. Maintenant, je peux lire que nous avons l'amortisseur alpha infini. Alpha infini. Là, c'est l'amortisseur. Et nous avons dit que nous avons dit le point Hadaya, un nœud en x égale 0. Nœud Naya. Où est-ce que c'est là? L égale n lambda sur 2. Et si je regarde ça, on a trouvé ça tout à l'heure. Effectivement, on a trouvé ce résultat. C'est-à-dire, c'est comme si je viens confirmer un résultat exactement. Le résultat que j'ai trouvé, la question, une des questions précédentes, donc Haïlik, voilà, exactement. On a trouvé que pour avoir un nœud ici et un nœud ici, il fallait satisfaire à cette relation. Naya, on l'a confirmé à partir de la corde 1. Est-ce que c'est possible d'avoir une onde stationnaire avec un nœud ici? Oui, bien sûr, parce que je retrouve le même résultat que tout à l'heure. Yani, je le confirme. On est en train de confirmer ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Yani, ma quelle contradiction ma wesh lqina drka wesh lqina la question alors c'était la question, voilà, la question 2. Voilà, exactement, c'était la question 2. Attendez, voilà, alpha infini, lorsque nous avons pris alpha infini, la question 2. Donc voilà, donc c'est possible. Donc pour répondre à la dernière question, Hadi, question 6, on peut avoir une onde stationnaire seulement un ventre en x égale 0, c'est impossible. Pour un nœud en x égale 0, bien sûr, c'est possible. Voilà, donc la justification, c'est qu'on confirme le résultat. Donc ici, on a terminé notre exercice. J'espère que cet exercice vous servira. Inch'Allah, à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.